small voice. Veuillez vous lever. Please be seated. Nous reprenons l'audience et je donne tout de suite la parole à Madame Beyer-Traoré pour poursuivre la présentation de l'exposé de la Commission sous-régionale. Madame. Merci, Monsieur le Président. Donc, on va examiner maintenant l'argumentation de la Commission sous-régionale des pêches par rapport à la question numéro 3, libellée comme suit. Question numéro 3. Lorsqu'une licence de pêche est accordée à un navire dans le cadre d'un accord international avec l'État du pavillon ou avec une structure internationale, cet État ou cette organisation internationale peut-il être tenu pour responsable des violations de la législation en matière de pêche de l'État côtier par ce navire? Point d'interrogation. Il faut dès lors préciser que les termes de la question 3 sont ceux qui figurent dans les deux exposés écrits, version anglaise et française, envoyés au tribunal respectivement les 16 décembre 2013 et 12 mars 2013. Ils font foi, comme la Commission l'a souligné dans sa lettre de transmission, de son exposé écrit version 2 en date du 12 mars 2014. En conséquence, le libellé de la question numéro 3, tel que mentionné dans la version française de la résolution de la CSRP, constitue un défaut que nous demandons très respectueusement au tribunal de bien vouloir ignorer. La problématique de la responsabilité et de la définition de l'état du pavillon pour le cas d'un navire en infraction battant pavillon d'un État membre d'une organisation internationale signataire d'un accord de pêche avec l'État côtier se pose. L'examen d'accords de pêche signés avec des États membres de la Commission montre une diversité de responsabilités en cas d'arraisonnement de navires pour le fait de pêche INN dans les eaux sous juridiction nationale d'un État membre de la CSRP. Trois cas ont pu être observés. Premier cas, l'accord de pêche fait référence à l'organisation internationale signataire du dit accord comme étant le seul interlocuteur en cas de pêche INN opéré dans les eaux sous juridiction nationale de l'État membre de la CSRP. Il précise que ce dernier État doit notifier à l'organisation internationale tout arraisonnement effectué et toute sanction prononcée dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord. Dans ce premier cas, en conformité avec le droit international, n'y a-t-il pas une confusion de responsabilités dans les responsabilités respectives, de l'organisation internationale signataire de l'accord et de l'État du pavillon? Deuxième cas, un accord de pêche qui fait référence à la fois à la responsabilité de l'État du pavillon et à celle de l'organisation internationale signataire du dit accord pour tous les cas d'arraisonnement d'un navire ou toute autre application de sanctions
dans le cadre de la mise en œuvre du dit accord. Dans ce deuxième cas, est-il possible d'engager conjointement et solidairement la responsabilité de l'organisation internationale, d'une part, et celle de l'état du pavillon du navire qui a commis l'infraction, d'autre part. Troisième cas, l'accord de pêche fait référence à la responsabilité de l'organisation internationale signataire du dit accord pour tout cas d'arraisonnement effectué d'un navire ou pour toute application de sanctions dans le cadre de la mise en œuvre du dit accord. En outre, il prévoit la participation éventuelle d'un représentant de l'État du pavillon concerné aux échanges avec l'État membre de la CSRP. Dans ce troisième cas, l'État du pavillon réduit à la participation aux échanges entre l'organisation internationale signataire de l'accord de pêche et l'État membre de la CSRP dans les eaux desquelles un acte de pêche INN a été opéré, pourrait-il être tenu pour responsable au regard du droit international? Ce qui m'amène aux lacunes du droit international par rapport aux questions posées numéro 3. Le droit international énonce que seul un État peut être considéré comme un État du pavillon. Dans ce cas, comme précisé dans l'argumentaire apporté par la CSRP aux questions 1 et 2, l'État du pavillon a une obligation de diligence requise découlant du droit des traités et du droit coutumier qui l'oblige à prendre de bonne foi les mesures nécessaires pour assurer que le navire qui bat son pavillon respecte les réglementations en matière de conservation et de gestion des ressources halieutiques de l'État côtier, mais également pour garantir que ces mesures prises ne soient en contradiction avec les intérêts de l'État côtier. Ceci conformément à la jurisprudence de la Cour internationale de justice dans l'affaire du détroit de Corfou, mais aussi à l'adage « sic utere tuo ut alienum non laedas » « use de ton propre bien de manière à ne pas porter atteinte au bien d'autrui ». Une organisation internationale constituée d'États souverains pourrait-elle par conséquent être soumise au même régime juridique que l'État du pavillon pour une infraction à la pêche INN commise par un navire battant pavillon d'un de ses États membres et pêchant sous son couvert? En interrogation. L'État du pavillon, n'étant pas lié par un accord de pêche à l'État côtier, peut-il être tenu pour responsable en cas de pêche INN du seul fait qu'il soit membre de l'organisation internationale signataire de l'acte du dit accord? En interrogation. Dans ce cas, qui devra être considéré comme l'État du pavillon au sens du droit international? Point d'interrogation. L'organisation internationale, signataire de l'accord de pêche, l'État d'immatriculation ou l'État de la nationalité du navire en infraction? Point d'interrogation. Est-il possible d'engager solidairement leur responsabilité pour une infraction à la pêche commise dans les eaux sous juridiction de l'État côtier? Point d'interrogation. Le droit international mérite d'être actualisé sur la question. La Commission sous-régionale des pêches attend les avis circonstanciés du tribunal sur ces points. En effet, suivant l'arrêt rendu par le tribunal dans l'affaire numéro 2, navire Saïga, est confirmé dans l'affaire du navire numéro 19, l'affaire numéro 19, Virginia G, rendue le 14 avril 2014.
une organisation internationale ne peut pas accorder une nationalité à un navire. L'État du pavillon a le droit exclusif d'accorder sa nationalité à des navires. En effet, cet arrêt dispose, je cite, l'article 91 laisse à chaque État une compétence exclusive en matière d'attribution de sa nationalité à des navires. À cet égard, l'article 91 codifie une règle bien établie en droit international général. Fin de citation. Cette jurisprudence du tribunal conforte la Commission régionale des pêches qui estime que l'État du pavillon doit être un État et non une entité regroupant plusieurs États qui restent donc incompétents pour attribuer sa nationalité à un navire et engager seule sa responsabilité issue d'un acte de pêche INN commise par un navire qui bat le pavillon d'un de ses États membres et opère dans le cadre d'un accord de pêche. Par ailleurs, d'autres vocables comme « partie contractante » utilisés par les organisations régionales de gestion de pêche pour faire allusion à la notion d'État de pavillon méritent d'être clarifiés par rapport à la Convention, notamment dans l'article 91 sur la nationalité des navires, l'article 94 sur l'obligation de l'État du pavillon, l'article 61 sur la conservation des mesures des ressources biologiques et la partie 5 sur la zone économique exclusive. Tous ces articles concourent à l'atteinte des objectifs de l'article 193 et autres dispositions de la Convention. En ce qui concerne maintenant la question numéro 4, le libellé comme suit, quels sont les droits et obligations de l'État côtier pour assurer la gestion durable des stocks partagés ou d'intérêts communs, en particulier ceux des tonidés et des petits pélagiques? Point d'interrogation. Les espèces pélagiques sont des poissons qui vivent en surface et sont caractérisés par leur comportement migratoire. Leur habitat couvre en général la zone tropicale et subtropicale, chevauchant sur la zone maritime de plusieurs États. Ces pélagiques sont des espèces couramment ciblées par la pêche INN dans l'espace de la Commission sous-régionale des pêches. Au niveau de l'Atlantique centre-est, plusieurs espèces de pélagiques migrent dans les zones économiques exclusives de deux ou plusieurs États, donc transfrontaliers ou stocks d'intérêt commun, et ou des zones économiques exclusives et les eaux au-delà, les stocks chevauchants. Il s'agit donc de stocks partagés entre deux États côtiers voisins, deux États côtiers voisins situés de part et d'autre d'un golfe et d'un océan, ou un État côtier et l'État du pavillon de l'exploitant du stock. Le terme « stock partagé » mérite donc d'être clarifié au regard des dispositions de la Convention et la demande d'avis consultatif initiée par la Commission sous-régionale des pêches. Ceci étant précisé, deux types de pêcheries pélagiques sont généralement identifiés dans l'espace de la Commission. Les pêcheries des petits pélagiques et les pêcheries hauturières. Monsieur le Président du Tribunal, je vous prie d'appeler à la barre Monsieur Papa Kébé, expert en ressources pélagiques, co-agent, qui va aborder la biologie, l'écologie et la situation des espèces pélagiques dans l'espace de la Commission sous-régionale des pêches. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. À présent, j'invite l'orateur suivant, monsieur Kébé, à prendre la parole. Monsieur Kébé. Merci bien, Monsieur le Président, Madame,
Messieurs les membres du Tribunal international du droit de la mer, il me revient l'honneur de vous exposer certains aspects biologiques des pélagiques situés dans l'espace de la Commission sous-régionale des pêches. Au cours de mon exposé, des graphiques, des tableaux et des images vous seront projetés et qui sont peut-être familiers à certains d'entre vous parce qu'ils proviennent dans la plupart des cas de documents officiels de l'ICAT, de la FAO et de la Commission sous-régionale des pêches. Les pélagiques sont des poissons qui vivent entre la surface et le fond des océans, mais en dehors des côtes et des fonds marins qu'on appelle zone démersale. Ces poissons pélagiques, également appelés poissons bleus, regroupent plusieurs centaines d'espèces ayant des caractéristiques communes, dont la coloration sombre sur le dos et argentée sur le ventre, coloration qui est censée les protéger des prédateurs. La façade orientale de l'Atlantique, qui couvre la zone CSRP, constitue une des zones les plus riches en ressources maritimes au monde à cause d'un phénomène océanographique appelé upwelling, c'est le nom en anglais. Ce phénomène est la conséquence de vents marins très forts qui poussent l'eau de surface, créant ici un vide qui favorise la remontée des eaux froides qui sont riches en nutriments, éléments de nourrissage des pélagiques. Dans mon exposé, je vais faire deux chapitres. Un chapitre qui sera consacré aux petits pélagiques et un second chapitre qui sera consacré aux grands pélagiques. Les ressources pélagiques côtières, appelées petits pélagiques, représentent l'ensemble des poissons de petite taille et contribuent à concurrence de 77% des débarquements au niveau de la sous-région. Ces ressources sont constituées principalement par six espèces. Premièrement, ce sera la sardinelle ronde. Deuxièmement, la sardinelle plate. Troisièmement, l'ecmalose. Quatrièmement, le chinchard noir et le chinchard jaune. Et enfin, le maquereau. Le caractère migratoire et transfrontalier de ces espèces fait que les stocks sont partagés entre les pays de l'Afrique nord-ouest. L'aire de distribution de ces espèces est très large. Les sardinelles rondes et plates, qui sont particulièrement importantes pour les États de la sous-région, ont des aires de distribution qui vont du sud du Sénégal au sud du Maroc. L'ecmalose, une autre espèce largement débarquée dans la sous-région, se rencontre dans la partie plus au sud entre le Sénégal et la Sierra Leone. Ces petits pélagiques passent la plupart ou la quasi-totalité de leur phase adulte en surface. Les statistiques de débarquement pour l'année 2011 des petits pélagiques avaient été estimées par un groupe de travail du COPAS en 2012. Et ils estimaient à environ 2,6 millions de tonnes les débarquements opérés au niveau du Sénégal, de la Gambie, de la Mauritanie et du Maroc. En 2011, les prises moyennes d'ecmalose étaient d'environ 115 000 tonnes, de la sardinelle à 535 000 tonnes, la sardinelle plate à 132 000 tonnes, le maquereau à 318 000 tonnes, et enfin le chinchard à 367 000 tonnes. Pour la sardinelle ronde, la période de reproduction la plus importante débute au mois de mai au sud de Dakar. Elle se poursuit au mois de juin sur l'ensemble des côtes sénégalaises et vers le nord jusqu'au Cap Timiris, pour se terminer en juillet-août devant les côtes mauritaniennes. Pour la sardinelle plate, la ponte est continue toute l'année, mais il existe toujours au moins un minimum de reproduction
lequel se situe en début de la saison chaude au mois de juillet-août au Sénégal. La période de ponte de l'ethmalose dure toute l'année au Sénégal et en Gambie. En Sierra Leone, la période de ponte se situe entre le mois de mai et le mois de décembre, et pour la Guinée-Bissau entre février et octobre. La période de reproduction du chinchard est étendue. La ponte massive s'observe entre novembre et décembre et jusqu'en janvier-février dans la région située à 15 degrés de latitude nord. Voilà rapidement esquissé les zones de reproduction et les statistiques d'embarquement pour les petits pélagiques les plus importantes au niveau de la CSFP. Nous allons maintenant voir l'habitat et les migrations de ces petits pélagiques. En début d'année, la majeure partie du stock de sardines rondes se concentre entre le Sénégal et la Gambie. Il est possible de rencontrer cette espèce au sud de la Gambie, mais cette hypothèse est incertaine et devait être confirmée par d'autres études scientifiques. À partir d'avril, la sardine ronde se dirige vers la zone mauritanienne et en septembre-octobre, le stock remonte vers le Maroc et en fin octobre, le stock retourne à son lieu d'origine, au sud, c'est-à-dire au Sénégal. La sardine plate, elle est moins migratrice et pourrait constituer des populations locales qui demeurent dans la même zone toute l'année. Cette espèce se rencontre sur toute la façade tropicale de l'Atlantique, du Maroc jusqu'en Angola. Les migrations du chinchard sont liées à des changements saisonniers réguliers des mouvements verticaux des eaux. Au printemps et en été, le chinchard se déplace vers les Açores. En août et en hiver, lors du renforcement de la circulation verticale des eaux, dans la zone du plateau continental, il se déplace vers la côte. Le groupe de travail du COPAS, qui s'était réuni en 2012, avait conduit une session d'évaluation des stocks sur les petits pélagiques dans la zone nord-ouest de l'Afrique. Le constat des scientifiques est que les stocks étaient en général pleinement exploités ou surexploités. Les efforts de pêche et les prises devraient être réduits dans les pêcheries des petits pélagiques. Pour la sardinelle plate et ronde, dont les captures moyennes annuelles étaient d'environ 707 000 tonnes, le stock était surexploité. La conclusion était qu'une réduction des prises actuelles devrait être mise en place pour éviter un effondrement de ce stock. Pour le maquereau, dont les prises étaient de 259 000 tonnes par an, le stock aussi était surexploité. Le maintien des prises totales à 257 000 tonnes semble être retenu pour faire continuer à maintenir ce stock. Pour le chinchard, les captures étaient de 343 000 tonnes. Le stock était pleinement exploité ou surexploité. Une réduction de l'effort de pêche et un maintien des prises au niveau de celle de 2011 avaient été recommandés par les scientifiques. Pour l'ethmalose, les prises étaient estimées à 67 000 tonnes annuelles. Le stock aussi était surexploité. Et une diminution de l'effort de pêche était recommandée par les scientifiques. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les membres du tribunal, les petits pélagiques qui sont exploités dans la zone de la Commission sous-régionale de pêche revêtent une grande importance dans l'économie des pays de la CSRP. La pêche à elle seule est une des principales activités économiques. Elle fournit en effet la plus grande partie de protéines animales pour la consommation alimentaire et nutritionnelle de la population. En outre, 1,4 million de personnes sont employées directement ou indirectement dans les activités de pêche dans les États membres de la CSRP. Au Sénégal, le sous-secteur artisanal offre un emploi direct à environ 60 000 personnes, 60 000 pêcheurs, dont 20%, soit 12 000 personnes,
participent à la pêche des petits pélagiques. En 2006, 3000 pêcheurs, soit environ 50% des pêcheurs artisanaux de la Gambie, ciblaient essentiellement les petits pélagiques et principalement l'ethmalose. La contribution de la pêche aux économies nationales varie d'un État à un autre. En Mauritanie, elle contribue pour environ 5% du produit intérieur brut et de 20 à 25% du budget national. Au Sénégal, la contribution au produit intérieur brut réel et aux recettes d'exportation est estimée à environ 1,3 et 12,3%. En Gambie, la contribution de la pêche au PIB est de 3%. On notera aussi que l'exportation de la farine et de l'huile de poisson constitue une source en devise de plus en plus importante pour la Mauritanie, particulièrement avec la flambée des prix de ces produits sur le marché mondial. Voilà rapidement résumé certains aspects socio-économiques et biologiques de ces petits pélagiques. Et nous allons maintenant aborder le second volet de mon exposé qui constitue les grands pélagiques. Ces grands pélagiques, qui sont de grands migrateurs constitués de tenidés, d'espèces voisines et d'autres espèces pêchées et exploitées dans les pêcheries de tenidés dans l'Atlantique. Les grands pélagiques sont gérés au plan international par une organisation intergouvernementale qui regroupe la majorité des États côtiers de l'Atlantique, y compris les États membres de la Commission sous-régionale des pêches, à l'exception de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Mais cette commission inclut aussi tous les États pêcheurs africains, asiatiques, américains et européens. Tous les grands pélagiques qui sont ciblés dans la zone de la CSRP figurent dans l'annexe 1 de la Convention des Nations Unies pour le droit de la mer, qui donne la liste des grands migrateurs. Les chapitres suivant présente les trois espèces albacore, tao et thon obèse, les plus importantes au plan commercial et par conséquent au niveau des prises dans l'espace de la CSRP. 80% des prises effectuées au niveau de cet espace représentent ces trois espèces. Comme nous l'avons fait pour les petits pélagiques, nous aborderons aussi ici la situation des stocks des grands pélagiques. Et nous aurons à utiliser un graphisme qui avait été adopté par les organisations de gestion de la pêche thonnière du monde à Kobe en 2007. Ce graphisme s'appelle le diagramme de Kobe. Il sera utilisé pour vous présenter les résultats des évaluations de stock de tenidés. Ce diagramme consiste à une représentation graphique composée de 4 cadrans avec 3 couleurs, pour mieux présenter les données sur l'état des stocks. Le vert indique que le stock n'est pas en situation de surpêche ou de surexploitation, ce qui est l'objectif visé par toutes les institutions chargées de gérer les pêcheries de tenidés. Le rouge, par contre, indique que la ressource est en état de surpêche et est surexploitée avec de gros risques d'effondrement du stock. Le jaune est un signal d'alarme indiquant un état de surpêche ou de surexploitation du stock. Ceci étant dit, la première espèce de tenidée que nous allons voir est l'albacore, appelée en anglais yellowfin. L'albacore peuple les eaux ouvertes des zones tropicales et subtropicales et il passe plus de 90% de son temps dans des eaux ayant une température d'environ 22 degrés Celsius. Sa taille maximale signalée est de 239 cm pour un poids de 200 kg et l'âge maximum de cette espèce est estimé à 8 ans. La zone équatoriale africaine constitue la principale zone de reproduction de l'albacore pendant les mois d'octobre à mars.
Dans la région nord-équatoriale, Sénégal-Guinée, la période de reproduction s'étend d'avril à juin. L'albacore fraye aussi pendant la saison chaude autour des îles du Cabo Verde pendant le mois de juin-octobre, même s'il montre une certaine variabilité interannuelle. Les trajectoires des individus marqués dans l'Atlantique et leur lieu de récupération figurent dans la carte qui figure non pas sur le tableau, mais dans le rapport, dans ce tableau-ci exactement. Certains individus quittent la zone africaine pour se retrouver sur les côtes américaines, tandis que des espèces migrent du golfe de Guinée vers la zone des Canaries. L'ampleur de cette migration requiert plus que jamais une coopération internationale pour le suivi de ces stocks. Les juvéniles demeurent dans des zones côtières de la région équatoriale, tandis que les adultes et préadultes se déplacent vers des latitudes plus hautes ou dans des eaux plus océaniques. Les individus de 50 cm demeurent dans les zones côtières et présentent des schémas migratoires modérés. Certains juvéniles migrent vers l'ouest et décrivent des mouvements saisonniers trophiques le long des côtes de l'Atlantique oriental et occidental. Le constat général fait est que la plupart des individus retournent dans leur zone de ponte lorsqu'ils ont atteint leur maturité sexuelle, en particulier pendant le premier trimestre de chaque année, en réalisant des migrations transocéaniques selon un axe nord-ouest-sud-est ou le long des côtes tropicales. Les adultes réalisent aussi des migrations trophiques vers des latitudes pendant l'été et des migrations génétiques à travers l'océan en atteignant des vitesses de déplacement moyennes d'environ 1,74 miles par heure. Les prises annuelles effectuées durant la dernière évaluation de stock étaient de 101 000 tonnes et ces prises étaient largement en dessous de la production maximale équilibrée qui était estimée entre 114 000 et 150 000 tonnes. Les avis scientifiques découlant des dernières évaluations de stock étaient basés sur deux types de modèles dont les résultats sont assez pessimistes. Il a été noté une grande incertitude dans les évaluations de stock de cette espèce. Avec une probabilité de 26%, l'état du stock semble être conforme aux objectifs de gestion. Ainsi donc, le stock semble ne pas être en état de surpêche. L'effort de pêche aussi n'a pas encore atteint le seuil limite. Les taux de capture total admissibles adoptés sur recommandation des comités scientifiques de la CICTA semblent être respectés. La seconde espèce que nous allons voir est le listao, qui évolue en général en haute mer et se concentre en général dans les zones de convergence situées aux limites des masses d'eau tempérées et froides. Le listao peuple d'habitude les eaux ayant une température superficielle comprise entre 20 et 30 degrés. Sa longueur peut atteindre 100 cm pour un poids de 18 kg et sa durée de vie maximale est estimée à 5 ans. Le listao se reproduit de façon opportuniste durant toute l'année dans de vastes zones de l'Atlantique. Dans l'Atlantique oriental, le listao fraye de part et d'autre de l'équateur, qui inclut le golfe de Guinée jusqu'à la longitude 20 degrés 30 degrés ouest. La ponte a lieu pendant toute l'année et atteint son apogée entre novembre et mars. La trajectoire des listao marqués dans l'Atlantique et leur lieu de récupération sont indiqués dans la figure que vous avez devant vous. Certaines de ces espèces migrent depuis le golfe de Guinée vers la zone des Canaries un peu plus en haut, en traversant la zone maritime des États membres de la CSRP. Les déplacements de ces espèces dépendent de conditions ambiantes
et de leur affinité à se regrouper autour d'objets flottants qui concentrent des bancs mixtes juvéniles et adultes de cette espèce et d'autres tenues. La vitesse moyenne de déplacement observée chez l'Istao est d'environ 2,80 miles par jour. Il a été aussi signalé l'existence de déplacements à partir du golfe de Guinée vers le sud-est en été et vers le nord-ouest en octobre, ce qui suggère une vaste dispersion de ces espèces en bancs mixtes depuis le golfe de Guinée. Nous allons pour l'Istao maintenant voir l'état des stocks du l'Istao. Il est peu probable que ce stock soit surexploité, même en faisant preuve de beaucoup de prudence. Historiquement, ce stock semble avoir des indicateurs sur la mortalité de la biomasse qui présage d'une durabilité de cette pêcherie. La prise moyenne des 5 dernières années est d'environ 161 000 tonnes, mais l'intervalle d'estimation de la PME, la production maximale équilibrée, tourne entre 143 et 170 000 tonnes. Et enfin, la dernière espèce de tenidée que nous allons exposer ici, c'est le thon obèse, qui vit à une température d'environ 29 degrés. Par contre, il peut faire des incursions en profondeur jusqu'à 500 mètres de profondeur, où la température est d'environ 5 degrés Celsius. La taille maximale observée pour ce thon obèse peut atteindre 2,50 m et le poids estimé la plus grande est de 210 kg et sa durée de vie maximale est de 15 ans. La ponte du thon obèse se produit principalement durant la nuit et on estime que cette espèce fraie à partir de 18 heures jusqu'au-delà de minuit selon une fréquence assez régulière et quasi journalière. Il se peut que cette tendance à frayer durant la nuit vise à réduire au minimum les dangers associés à la déprédation et aux rayons ultraviolets. La ponte a lieu durant toute l'année dans une vaste zone autour de l'équateur, depuis les côtes du Brésil jusqu'au golfe de Guinée. Elle présente des pics de janvier à juin au sud. Par contre, dans la partie nord de l'Atlantique, la période de frais se réduit au mois de juillet à septembre et dans la partie sud, Congo-Angola, elle se limite au mois de novembre à décembre. Les trajectoires de thon obèse et leurs liens de récupération qui figurent dans la figure que vous voyez sur l'écran expliquent la grande mobilité de cette espèce. Comme la presque totalité des thonidés, cette espèce traverse de grands espaces au niveau de l'Atlantique. Le thon obèse est une espèce qui présente une haute tendance migratoire. Les données de marquage montrent que sa vitesse de déplacement est supérieure à celle de l'albacore et comparable à celle du l'Istao. Il présente par ailleurs une série de déplacements saisonniers en fonction des groupes d'âge et la nature de ses migrations, selon qu'elles sont de nature trophique ou génétique. Il demeure dans la zone de ponte depuis la naissance jusqu'à l'arrivée du printemps où ils entreprennent des déplacements vers les tropiques et ces déplacements longent les côtes africaines depuis Cap-Lopez jusqu'au Sénégal et la Mauritanie. Certains individus poursuivent leur route vers les Açores, les Canaries et Madère à une vitesse de 10 miles par jour. Les pré-adultes se déplacent aussi bien vers le nord, Sénégal, que vers le sud, Angola. Pendant les mois d'octobre à novembre, le thon obèse qui s'est déplacé vers les archipels retourne vers le sud à leur lieu de ponte. Des études de marquage ont montré l'existence de migrations transatlantiques depuis le golfe de Guinée vers les côtes du Brésil et des déplacements depuis le golfe de Guinée le long des côtes africaines vers les îles Madère ou les îles Açores. Comme pour le cas de l'albacore,
et du listau, on a enregistré des migrations transatlantiques depuis les côtes américaines vers le golfe de Guinée. Dans l'Atlantique oriental, on a observé aussi des déplacements depuis le golfe de Guinée vers les pêcheries situées au nord, Açores, et au sud, Angola, ainsi que les trajets retour correspondants. L'état du stock du thon baisse. Selon les estimations, il semble que ce stock n'est pas en état de surpêche et que les prises de la dernière année, qui étaient d'environ 70 536 tonnes, demeurent en dessous de la production maximale équilibrée estimée entre 78 000 et 100 000 tonnes. Les indicateurs suggèrent que le stock n'est pas en état de surpêche et les prises restent en dessous de la PME. Hormis les quelques incertitudes soulignées plus haut, la pêcherie semble soutenable si les parties continuent de respecter les captures totales admissibles, qui sont de 85 000 tonnes en vigueur, qui avaient été suggérées par le comité scientifique de la CICTA. La principale conclusion des évaluations de stock de ces trois espèces qui se trouvent dans la zone tropicale de la CSRP indique l'existence de graves lacunes dans les données relatives aux activités de flottille INN qui ont contraint les scientifiques à formuler de nombreux postulats sur les prises par taille. Ces avis scientifiques véhiculent beaucoup d'incertitudes difficilement gérables par les gestionnaires chargés d'élaborer les plans d'aménagement de ces pêcheries. Monsieur le Président, nous venons de terminer l'examen scientifique de ces pêcheries. Nous vous en remercions et nous demandons d'appeler à la barre Mme Dieyneba Bey pour compléter l'argumentaire juridique de la question numéro 4. Merci. Merci beaucoup, M. Kevey. Je donne maintenant la parole à Mme Bey Traoré qui va conclure. Madame, Messieurs les membres du Tribunal international du droit de la mer, la CSRP va terminer ses argumentations en abordant les lacunes du droit international par rapport à la question numéro 4. Considérant le caractère partagé de certains stocks, les dispositions des articles 61 alinéa 2, 63 alinéa 1er, et 64 de la Convention souligne la nécessité d'une concertation directe ou par l'intermédiaire des organisations régionales ou sous-régionales de pêche appropriées pour coordonner et assurer leur conservation et développement. Mais autant l'article 63 alinéa 1er explique le contenu du mot « conservation » des stocks partagés, autant l'interprétation du mot « développement » figurant dans cet alinéa a besoin d'être clarifiée. Suivant l'interprétation de Satya Nandan et compagnie, ce mot « développement » de l'article 63 alinéa 1er devrait s'appliquer en tenant compte des exigences de l'article 61, qui vise, je cite, « la conservation et la gestion des ressources biologiques pour éviter que le maintien de ces ressources ne soit compromis par une surexploitation en envisageant une stratégie à long terme pour la pérennité du stock partagé comme une ressource viable. » Fin de citation. En outre, l'article 61 alinéa 3 de la Convention soumet les États côtiers à l'obligation de prendre en compte les normes internationales généralement acceptées par la communauté internationale quand ils définissent les mesures de conservation et de gestion de leurs ressources halieutiques partagées. Il est indispensable
que le tribunal donne son avis sur les instruments juridiques sur lesquels la Commission sous-régionale des pêches peut trouver ces mesures-là. Ces mesures devront inclure celles mentionnées dans les articles 5 et 6 de l'accord sur les stocks de poissons. En effet, les principes généraux figurant dans l'article 5 et les dispositions de l'article 6 de cet accord sur le principe de précaution, sur la détermination des points de référence pour chaque stock, ainsi que les mesures à prendre si ceux-ci sont dépassés, ainsi que l'approche écosystémique des pêches, qui figure également dans des instruments de type volontaire, comme le code de conduite pour une pêche responsable, devraient maintenant être considérés comme des normes internationales minimales acceptées et donc applicables à tous les stocks, y compris les stocks de poissons pélagiques. En tant qu'État, sur la zone dans laquelle se déroule l'activité de pêche, le droit international reconnaît à l'État côtier le droit de sécuriser les ressources halieutiques situées dans ces eaux sous juridiction nationale en définissant leurs conditions d'accès aussi bien pour les navires nationaux que pour les navires étrangers. Ce droit s'accompagne de responsabilités, notamment en matière de gestion des stocks partagés. Par ailleurs, au terme de l'article 63 de la Convention, les États sont invités à coopérer directement ou par l'intermédiaire des organisations sous-régionales ou régionales appropriées. Je cite, lorsqu'un stock, un même stock de poissons ou des stocks d'espèces associées se trouvent dans les zones économiques exclusives de plusieurs États côtiers, alinéa 1er. De même, lorsqu'un même stock de poissons ou des stocks d'espèces associées se trouvent à la fois dans la zone économique exclusive et dans un secteur adjacent à la zone, alinéa 2. L'article 63 de la Convention demande aux États côtiers concernés par la gestion des stocks partagés de s'entendre sur les mesures nécessaires à la conservation des stocks. Rien d'autre n'est indiqué, par exemple, sur la définition des stocks partagés, ainsi que sur les objectifs de gestion et d'allocation de capture entre ces États concernés, sur lesquels ces États ont besoin de s'accorder pour une gestion durable de ces ressources. Bien que l'article 63, alinéa 1er, et la jurisprudence demandent aux États de s'accorder de bonne foi sur les mesures de conservation et de gestion à prendre pour la durabilité des stocks partagés, il n'y a aucune obligation pour sur ces États d'aboutir à un accord. S'il n'y a pas d'accord, chaque État côtier gérera le stock partagé quand il traversera ses eaux sous juridiction nationale. Il en résulte un stock mal géré et une inégalité dans l'allocation des bénéfices issus de son exploitation. Si un État côtier prend des mesures strictes de conservation afin d'augmenter le rendement maximum à long terme en réduisant substantiellement ses captures à court terme, alors que les autres États concernés exploitent lourdement le stock pour en tirer un gain rapide à court terme. Beaucoup d'États côtiers qui partagent les mêmes stocks signent des accords de pêche sans se concerter au préalable sur les mesures de conservation et de gestion durable des ressources. En outre, le statut juridique des stocks de poissons pélagiques qui ne sont pas gérés par des organisations régionales de gestion de pêche mérite d'être posé et des pistes de solutions trouvées. Le tribunal pourrait, dans le cadre de son avis, apporter des éclairages sur les droits
les obligations de l'État côtier en matière de gestion durable des stocks partagés ou d'intérêt commun. En effet, ces droits, ces obligations nécessitent d'être précisés par le droit international. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres du tribunal, tels sont les arguments de la Commission sous-régionale des pêches. J'espère que ces interventions, la teneur de notre exposé oral, ainsi que les exposés écrits soumis antérieurement, contribueront à clarifier les questions juridiques sur lesquelles vos avis éclairés sont sollicités. Comme le président en exercice de la conférence des ministres de la Commission sous-régionale des pêches l'a indiqué dans son intervention, la CSRP se félicite par avance de tout éclaircissement que pourrait apporter le tribunal aux dispositions clés de la Convention et des autres instruments juridiques internationaux concernant les droits et obligations de l'État du pavillon en cas de pêche INN opérée dans la zone économique exclusive de l'État du pavillon ou dans un État tiers et en haute mer. De même, des précisions sur les droits et obligations de l'État côtier pour une gestion durable des stocks partagés ou d'intérêt commun. Une interprétation claire et une mise en œuvre correcte des dispositions de la Convention, des droits et obligations de l'État du pavillon, de l'État du port, de l'État côtier en cas de pêche INN sont dans l'intérêt de tous les États parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres du tribunal, ceci est la fin donc de notre intervention. Nous vous remercions pour votre bien aimable attention. Merci beaucoup, Madame Bayet-Traoré. Cela nous amène au terme de l'audience d'aujourd'hui. Le tribunal reprendra ses audiences demain matin à 10 heures et entendra les représentants de l'Allemagne, l'Argentine, l'Australie, le Chili et l'Espagne qui présenteront leur exposé oraux. L'audience du tribunal est maintenant levée. All voice, veuillez vous lever. Right.